suis tombée dedans en même temps que mon père, quand il a acheté sa première voiture. Ouais. J'ai joué les arpètes au garage pour démonter, dégripper, enlever les garnitures intérieures. Et j'ai assisté à la restauration de la première voiture qui a duré 7 ans. Et puis mon père a pris goût au Matisse, le club s'est formé et moi je suis restée aussi, je ne vais pas dire passionnée parce que c'est pas tout à fait le cas. Je connais pas la mécanique ni l'histoire complète de Matisse. Mais quand mon père a restauré sa deuxième voiture, qui est celle-là, qu'on est allé chercher dans un garage en région parisienne, c'était un tas de ferraille, mais bon, voilà, aujourd'hui c'est une jolie petite voiture. Il m'a proposé de la conduire. Et ça fait 15 ans que ça dure, 15 ans que je la conduis et j'ai fait 20 000 km à peu près avec sur les routes de France. Elle est de 1923. D'accord. Donc c'est une 6 chevaux, 4 vitesses, vitesse de pointe 60, 30 dans les côtes. Bien tondu, verdoyant, ça fait bougrement plaisir. Et puis bien, tout va bien, les Matisse marchent bien. Il y a eu quelques petits accros ce matin, mais tout est remis en place. Certains avaient pensé qu'un moteur pouvait tourner sans huile, mais ça ne se fait pas encore. Et tout est reparti, tout est rentré dans l'ordre, tout le monde a l'air d'être content.
avait une quand ils se sont connus. Mon père en avait une quand ils se sont fiancés et ma mère allait se lever avec moi. J'ai évolué dans une matisse jusqu'à l'âge de 7 ans. Depuis 0 mois. Et ils ont racheté ça pour leurs 60 ans de mariage. Parce qu'ils étaient connus là-dedans. Et bon, mon papa étant trop vieux pour la conduire, mon mari intéressé a racheté la matisse. Mais c'est pas tout à fait celle-là qu'il avait. Il était un peu plus gros, ça c'est. Pour moi, ça représente l'associé de Bugatti, parce qu'ils ont commencé ensemble. Donc, une marque française d'abord, mais surtout des voitures qui étaient montées sérieusement. La devise, c'était le poids, c'est l'ennemi. Après, ils se sont séparés. Bugatti a fait de la voiture plus luxueuse des compétitions, et Matisse s'est dirigé vers les populaires. Mais c'était de la voiture fiable. Bon, déjà, c'était un constructeur de voitures fantastique qui avait des idées hyper originales. Et Matisse, c'est un club fantastique aussi, avec l'amitié, avec ils ont des belles voitures, des gens intéressants. On peut toujours discuter mécanique, il n'y a aucun souci, aucun problème avec ce genre de club.
Et alors, bravo à tous, vous nous avez ravis, j'ai réussi une belle assemblée et un bel anniversaire. Voilà. On dit que pour faire un enfant, il faut deux personnes. En fait, c'est un témoignage d'un handicapé qui a eu le prix de la philosophie de l'Académie française. Un handicapé extraordinaire, il y a toute sa tête, mais il était mis pendant 20 ans chez des handicapés. Et ce n'est pas ses parents qui l'ont formé, en fait, c'est tous les autres. Il dit qu'il faut faire 100 personnes pour faire un homme. Et là, je croyais qu'il fallait être tout seul pour avoir une voiture. Et là, c'est d'abord le bébé de... Le bébé Jean-Pierre Mignot, il a fait des tas de choses là-dessus. Jean-Pierre Bure a travaillé dessus. Et puis ici, depuis ce week-end, c'est vraiment fabuleux, cette entraide. On va partir demain et elle n'aura jamais si bien marché. Elle a fait des côtes sans problème. Entre deux, on a eu... Ludovic qui a serré les bouchons. Hier soir, c'était le ventilateur qui a complètement foiré. Donc Loulou, Gaston ont mis les mains dedans. Jean-Pierre Borgeau, on a trouvé ça à Reims avec lui, le boys. Enfin, tout le monde a participé. Ce qui est fantastique au club Matisse, c'est que vraiment on se sent vraiment accueilli. On a beau être le bisu, le dernier, et on est intégré déjà dans la famille. Je me sens vraiment très bien, j'ai passé un excellent week-end avec une voiture qui maintenant n'aura jamais si bien marché. Cette visite a été pratiquement impromptue, puisqu'un jour j'ai vu un grand jeune homme aux cheveux poivre et sel. Poivre et sel, ça frappe surtout les dames, et qui parlait de Matisse. Et lorsque j'étais jeune, mes parents avaient une Matisse. Alors ça m'a ouvert l'oreille, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, il dit, je fais un rassemblement de Matisse. Ben, il dit, écoute, la ville de Blois, qui était une ville accueillante, je serais bien heureux de vous tendre un peu la main. Vous m'y avez passé une demi-journée chez nous. Et c'est comme ça qu'on a décidé de mettre les bâtisses sur la place du château.
Et en même temps, c'était une tradition que nous commençons à mettre en place, n'est-ce pas, monsieur le directeur de cabinet? Nous accueillons souvent des rallyes ou des voitures, et je pense que c'est un mouvement de population, un mouvement de curiosité des gens qui viennent, et nous aidons à ce qu'ils puissent accéder facilement au château et profiter de cette terrasse. D'ailleurs, vous en profitez bien parce que vous êtes tous à l'ombre. Il n'y a que deux, trois courageux au soleil. Nous sommes fiers de participer à votre périple, presque à l'Assemblée Générale, parce que c'est tenu ce matin. D'ailleurs, les intellectuels du groupe ont préféré envoyer leurs épouses visiter le château. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce qu'ils pouvaient parfaitement assister à l'Assemblée Générale. C'est bien, mais applaudissez, c'est très bien, c'est bien. Surtout, si vous voulez, je crois que vous entretenez un souvenir d'un homme qui a été plus qu'inventif. J'ose pas le comparer parce que je suis pas très bon là-dedans avec un autre qui est en Alsace, que vous connaissez tous, dont on perd plus de souvenirs, mais mon enfance a été bercée de ça. Et lorsque j'ai vu arriver la Jeep, je me suis souvenu que je l'avais lu et que lorsque j'étais jeune, j'avais toujours pensé qu'il y a des choses très françaises qui devaient continuer et je pensais que la Jeep allait sauver Matisse. Ça n'a pas été le cas, mais vous sauvez Matisse en le promenant en France, en le faisant voir aux Français, je crois que c'est très sympathique. Une fois de plus, on vous remercie d'être venu. Merci pour l'organisation, vous avez été parfait, vous avez fait ranger les voitures d'une manière exemplaire, avec des marches arrière, des marches avant. Vous ne vous êtes pas heurté aux chevaux crottins qui étaient là, parce que ça fait partie du décor. Donc, nous sommes tous heureux de vous recevoir, et j'espère que ceux qui sont venus aujourd'hui garderont un bon souvenir de Blois, qui reviendront en Matisse ou sans Matisse. Merci. Du bureau il y a maintenant dans 25 ans. Alors merci d'être encore là et surtout de plus en plus nombreux parce que notre club commence à être connu, il existe et grâce à vous, ben, les Matisse ont retrouvé une jeunesse et la flamme brille de nouveau. Merci à vous. Gaby va nous dire un petit mot parce qu'il est bavard, mais c'est normal. Moi, je voudrais dire une chose, c'est qu'il y a 25 ans, nous nous sommes retrouvés donc trois. Jean-Pierre qui est allé voir manger une soupe rouge à la maison. C'est comme ça que le club a démarré. Après, on a fait une première réunion avec nos amis qui sont présents. Et je voudrais dire qu'il y a 25 ans, on a passé le goupillon à Jean-Pierre. Et depuis 25 ans, il a ce goupillon et il le mène bien. Merci beaucoup. Alors, je vous apporte toujours, rentrez doucement. Surtout, faites attention aux freins. Si elles freinent, depuis ce matin, on a appris que les Matisse freinaient, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors porte l'eau et soyez bien prudents. À l'année prochaine.